Bonjour et bienvenue à Tu Veux Ma Vidéo Banane, le podcast où on t'aide, toi, l'entrepreneur, à être vu et entendu par tes clients sur le web grâce à la vidéo. Donc, comment utiliser la vidéo pour connecter pour, euh, avec tes clients, pour augmenter ta notoriété, pour augmenter ta visibilité et ça tombe bien pour ce. Premier épisode avec une invitée. Ben j'ai choisi de, de parler avec quelqu'un qui justement aide ses clients à obtenir davantage de visibilité, davantage de notoriété. Elle aide ses clients à mettre à, elle t'aide en fait à te mettre sur la map pour que tu sois vu justement et entendu. Et j'ai parlé de Kim Auclair. Salut Kim, comment vas-tu Salut, ça va très bien. Et toi Je vais bien, merci. Très content de te recevoir à nouveau. Je dis à nouveau parce que je t'avais reçu comme invité sur le, le, le précédent show et euh, je pouvais rêver de meilleurs invités pour démarrer un, un nouveau podcast sur le marketing vidéo parce que, ben tu, toi, tu touches à tout. Tu touches à tous les médias, tous les médiums. Et entre autres, tu, euh, tu es ici pour, euh, pour parler de, de TikTok. Mais juste avant qu'on embarque dans le vif du sujet, parce que je le sais à quel point c'est une bête qui peut sembler. Euh, euh, difficile à apprivoiser pour certains entrepreneurs. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de, de ton parcours. C'est qui ça, Kémo Claire, brièvement? Oui, en fait, moi, Kémo Claire, c'est la fille euh, qui... En fait, je suis sourde, j'entends grâce à un implant cochléaire. Euh, depuis le 17 septembre 2019, j'ai beaucoup utilisé les moyens de communication pour me faire... Euh, sur le web, pour me faire entendre autrement parce que j'avais beaucoup de difficultés, manque de confiance. Mon, mon Ma différence a toujours été un obstacle. Euh, dans dans mes entrevues avec les employeurs, quand j'approchais des nouveaux prospects, il y a toujours eu des obstacles. Et j'ai trouvé en, dans le web une façon de pouvoir euh, contrer ces obstacles. -là. Alors, de communication, tu dis que je suis un peu euh, une touche à tout. J'aime explorer différents moyens de communication. Donc, euh, j'ai fait euh, l'écrit j'ai fait euh, des podcasts, la radio aussi, la télévision. Euh, puis là, de plus en plus, je reprends confiance euh, avec la vidéo, grâce justement grâce euh, à TikTok. Euh, et je fais aussi de l'accompagnement pour euh, que les entrepreneurs puissent être euh, sur la map, donc euh, avoir de la visibilité dans les médias traditionnels, parce que c'est ça aussi qui a fait euh, que j'ai pu aller chercher une plus grande auditoire. C'est que tout mon parcours. Je le relayais dans les médias euh, traditionnels. Puis là, ben c'est ça, tu parles de visibilité. Et quelle belle façon euh, d'avoir de la visibilité sur le web que d'utiliser la vidéo. Puis quand on veut utiliser la vidéo, ben on a une multitude de plateformes sur lesquelles on peut être présent en vidéo. On parle de, évidemment, LinkedIn, Facebook, YouTube, il y a Instagram, il y a TikTok. Quel est l'aspect, avant d'embarquer dans le comment, comment, TikTok c'est quoi TikTok? C'est quoi les, les, la force de TikTok? C'est quoi l'intérêt de TikTok? Euh, ben moi, je dois te dire, ça fait quand même un an et demi que je suis là-dessus. Je suis toujours en exploration. Euh, je ne me considère pas comme une euh, personne professionnelle de TikTok, mais je, je suis là vraiment pour partager mon expérience. Et comme la plupart des personnes qui sûrement se demandent euh, ici, qui m'écoutent, qui se demandent euh, c'est quoi TikTok, ben, vous allez sûrement avoir aussi comme réflexion. Euh, Est-ce que je suis trop vieille pour être sur TikTok? Est-ce que euh, TikTok, c'est juste des danses et tout ça? En fait, TikTok, c'est euh, non, c'est pas juste des danses. Puis non, il n'y a pas juste euh, des jeunes qui sont là-dessus. Euh, au début, dans la première ère, je parle des premiers euh, développements de TikTok, peut-être plus euh, 2019-2018, euh, quand ça a commencé, cette euh, je sais pas quand exactement ça a commencé, mais il y en a qui sont si pris, qui, qui sont là depuis le début. Et bon, là, on peut, par on peut parler un peu d'une période un peu euh, immature, parce que les gens ne euh, savent pas comment l'utiliser, sont très euh, vidéos, sont très transparents, ils racontent leur vie, ils racontent un peu de tout. Puis on sait qu'à plus vers 2020, les gens ont vu l'utilisation un peu plus euh, professionnelle. Comme tous les réseaux sociaux, il y a toujours une période plus personnelle, puis après, ça devient plus une utilisation plus professionnelle. Alors oui, on retrouve de tout, comme sur Facebook, comme sur LinkedIn, on retrouve vraiment euh, de tout. Donc on va avoir des gens, oui, qui vont s'en servir de façon plus personnelle dans ces divertissements. Les influenceurs vont faire du contenu euh, plus euh, lifestyle, si on peut dire. Mais il y a tous des professionnels, euh, des psychologues, il y a des, euh, des gens en marketing, il y a des euh, gens professionnels de vidéo aussi. Il euh, y a des gens en graphisme, donc les gens vont euh, parler de leur expertise, mais parler aussi de leur quotidien. Comme on le ferait par écrit, c'est juste qu'on utilise euh, la vidéo. Et c'est un gros challenge en même temps mais, de se montrer. Mais, mais c'est quoi qui distingue TikTok de Instagram? C'est quoi qui distingue TikTok de YouTube, par exemple? Pourquoi être sur TikTok plus... alors qu'on a une multitude d'options de plateformes? Le TikTok, en fait, ça va être plus dans le format qui va être un petit peu plus long un euh, petit peu plus court que sur YouTube, ou quoi que ce soit, même si on peut faire des vidéos très courtes sur euh, YouTube. Je pense que ça va être dans le contenu euh, qui va être plus euh, spontané, s'adresser directement euh, à sa communauté, euh, mais ça va être dans la durée de, de la vidéo TikTok qui va être un petit peu plus courte. Moi, je le vois comme ça. Euh, la grande différence, c'est que ça va être plus court sur TikTok que sur YouTube. On va pouvoir aller sur YouTube, par exemple, on va avoir une meilleure utilisation de, euh, du format aussi, qui va être euh, TikTok, qui va être plus en horizontal. YouTube va être beaucoup en, en vertical. Donc, pour recevoir déjà son podcast, pour recevoir euh, pour écouter ça à la télévision, si on peut dire vraiment plus une meilleure qualité, ça va être plus là que ça va jouer, je pense, au niveau de la différence de YouTube puis euh, de TikTok. Merci. Puis, puis on, ça serait quoi la première étape? Si on pense vouloir être sur TikTok, ça va être quoi la première étape? C'est quoi la réflexion qu'on doit se faire, la stratégie qu'on doit mettre en place pour développer une présence sur TikTok? Euh, C'est une bonne question. En fait, moi, quand j'ai commencé en 2000, euh, ben, en fait, c'était durant le temps des fêtes. Euh, je savais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. La première réflexe que j'ai eue, ça a été de me présenter. Tu sais, il y a beaucoup de tendances sur TikTok, c'est ça qui est le fun un peu, il y a des tendances, il y a des musiques tendances et euh, on peut simplement suivre cette musique-là, cette tendance-là et euh, l'approprier à d'un secteur d'activité. Donc, dans le fond, des musiques tendances ou des sons tendances, on peut l'approprier à notre secteur d'activité. On n'a pas besoin de parler ou quoi que ce soit, on fait juste suivre la tendance du son. Alors, ça peut être une façon de, euh, de commencer, faire une petite tendance, puis se présenter autrement. Donc, en euh, force, au début, mes premières vidéos, c'était un peu en lien avec ma sourdité aussi. Mes premières vidéos étaient beaucoup en lien avec ma sourdité. Puis après, plus en milieu d'année, j'ai commencé à parler un peu plus de mon euh, de mon expertise. Euh, mais sinon, je te dirais, première vidéo, peut-être parler de toi en quatre cinq en quatre cinq mots. Salut, je m'appelle Kim. j'étais là. Je, je suis ici. Je suis ça. Puis là, tu continues en faisant des vidéos, peut-être plus en lien avec ton expertise. Euh, mais il y en a beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup qui se trouvent des talents nichés un peu là-dessus. Euh, J'ai découvert le ASMR, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. C'est le ASMR, c'est des gens qui. Euh, tu sais, On sait pas comment s'en servir, TikTok, mais il y en a beaucoup qui se sont découverts une passion pour comme juste prendre leur micro comme ça. Puis faire des bruits. Puis tu l'écoutes, puis ça détend <laughs> okay. les gens. Okay. Mais il y en a des gens qui font ça, c'est pour puis, ils ont des objets. C'est vraiment spécial. Euh, mais, bon, c'est une autre catégorie, ça. Mais, donc, euh, il y a de tout. Autant, il y a de tout sur euh, LinkedIn. On peut trouver de tout sur les styles sur Facebook. Il y a de mais, tout. Mais, justement, vu qu'il y a de tout, comment, d'une part, part, on fait pour trouver sa voix oui. euh, unique et aussi, comment on fait pour trouver son auditoire sur TikTok? Il y a, comme toutes les réseaux sociaux sur TikTok, premièrement, il y a les hashtags. Donc, on va avoir euh, des hashtags, on va avoir aussi une... Euh, l'algorithme va être complètement différent. Je connais, j'ai en encore la misère, pour être très honnête, à comprendre l'algorithme de TikTok. Euh, mais euh, il va y avoir beaucoup de euh, hashtags. Donc, on va, ça va être la façon de rejoindre euh, par les hashtags. On va pouvoir rejoindre, par exemple, marketing québec, entrepreneur québécois. Ça va être la façon... La localisation aussi va euh, nous permettre de euh, rejoindre un histoire un petit peu plus précis. Puis tout le reste va être dans le contenu qu'on diffuse. Il faut quand même être cohérent. Donc, si tu parles de cheval pendant trois mois, puis après tu parles de tortue, puis après tu parles de, de savon naturel ou whatever, ben, c'est des domaines qui vont être complètement différents. Donc, comme tous les réseaux sociaux, c'est une question de cohérence, mais tu varies de temps en temps avec des contenus plus légers, avec des tendances et tout ça. Alors, ça, c'est pour ta première question. comment Tu avait deux questions, je pense, que c'est ça. Excuse-moi, j'étais sur mute. Euh, oui, ben écoute, t'as as, as pas mal répondu euh, que, dans le fond deux. L'idée c'est aussi de je, je te demandais aussi comment trouver ta, ta voix, mais oui, c'est en essayant des. Réponse. En essayant des choses. Tu tu l'as expliqué en un petit peu tantôt. Choses. Moi, je suis, pas, je suis pas. À la base, je me suis demandé beaucoup au TikTok de, au début. J'ai trouvé ça difficile parce que, à la base, je suis pas une personne qui aime montrer son lifestyle ou euh, me mettre debout euh, devant la caméra ou euh, me montrer que je bouge à gauche et à droite. Ça fait pas partie de moi. J'ai jamais fait ça vraiment. Puis, je trouve pas ça naturel pour moi de commencer à le faire maintenant. Tu peut-être que je vais improviser. Fait que moi, c'est sûr que je suis toujours dans mon bureau j'ai mon néon qui est allumé j'ai mon petit tu sais je fais euh, je fais mon contenu qui est utile est, ça a toujours été moi ça dans la base Fait que, tu peux voir quand tu regardes mon feed c'est toujours un peu le même truc euh, mais il y en a d'autres, donc ça peut être de se respecter là dedans c'est quand je regarde mon style ben c'est toujours mon néon toujours la même affaire il euh, y a des gens hein, qui ont beaucoup plus d'abonnés qui me suivent, puis eux, c'est lifestyle, tout ça. Je me compare tout le temps à ces gens-là, mais en même temps, ce n'est pas moi faire qu ce qu'ils font. Donc, je pense que la voix part de tout là, part de qu'est-ce que vous avez actuellement comme setup, qu'est-ce que vous êtes euh, capable de faire et tout ça. Donc, là, dans mes débuts, on peut voir des vidéos, je suis plus dans mon salon, euh, mais je ne l'ai pas refait ça aussi. Parce que là, je me suis équipée autrement, mais je pense que sa voix, c'est de respecter un peu son style mm -hmm. aussi. Et ben oui. puis, qu'est-ce qui est particulier avec les vidéos sur TikTok T'sais, Moi, j'ai remarqué que t'as pas besoin de dire "salut tout le monde". Il y en a qui le font, mais moi, je commence directement avec une phrase. Euh, c'est comme si je parlais à la personne, à m'écouter, mais je dis, je dis, pas "salut tout le monde", euh, bonjour, salut, pis tout ça. Donc, euh, je commence directement avec le meilleur conseil pour ou euh, de dire. Fais attention à qu ce que tu fais. C'est comme si je commence tout de suite directement ouais. au lieu de saluer tout le monde. Au début, le le au début, je le faisais. Au début, je le faisais. Mais il n'y a pas. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de manière de, de faire qu'un autre. Fait il y en a plein de TikTokers qui ont plein de gros. de, de gros histoires. Puis ils font-ils font, ils font, ils font, ils font leur, euh, leur salut autrement. Hello. Il autre, y en a qui sont reconnus, ça. Fait que quand on parle sur, de trouver sa voix, c'est peut-être de trouver des éléments qui vont faire partie de ton Fait que moi, on me reconnaît à cause de mon néon, à cause que j'adore le mauve. Puis, euh, je donne des petits conseils euh, marketing, ben, pas marketing, mm -hmm. mais plus en lien avec les communications et la sourdité. Donc, euh, je te dirais que ça part de là, trouver sa voie, c'est commencer, oui, à essayer les affaires, mais tâcher que ça te, ça te ressemble aussi au final. Ben oui, ben oui, c'est important. Puis, tu sais, je te dirais qu'au-delà de TikTok, peu importe où on fait des, des vidéos, je pense que c'est un bon conseil d'habitude d'être dans le vif du sujet dès le départ parce que les 6, 7, 8 premières secondes d'une vidéo sont cruciales. C'est là qu'on choisit de continuer de regarder ou pas. Donc si tu prends les 6, 7, 8 premières secondes à dire bonjour, à, à faire une longue mise en contexte plutôt que d'être dans le vif du sujet, tu risques de perdre une partie de l'audition. Notre, notre champ d'attention est tellement limité. Euh, Justement, on voit à l'écran ton, ton, ton feed, on voit effectivement qu'il y a un branding. En tout cas, visuellement, on, on sait qu'on est dans... Quand est-ce qu'on est dans une vidéo de Kim ça, c'est clair. Euh, et je me demandais, parce que je vois, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton équipement et des logiciels que tu utilises. Je vois que tu as un style pour écrire le titre de ta vidéo. Euh, y a comme un, on voit un visuel blanc en haut, on voit un visuel rouge en bas, les deux avec du texte dedans. Qu'est-ce que tu utilises comme équipement, vidéo, le son, tout ça Et qu'est-ce que tu utilises aussi comme logiciel pour faire justement tes, tes graphismes oui, Moi, j'aime ai, pas me compliquer la vie avec la technique, pour être très honnête. Euh... Si tu regardes les premières vidéos, vis aujourd'hui, ça s'améliore de plus en plus. Et, euh, bon, moi, je utilise mon iPhone. Il faut que ça soit simple, rapide. T'sais, il faut que ça soit simple à filmer. Mon iPhone a déjà une bonne qualité. À la base, euh, du iPhone 13, il y a quand même une bonne qualité avec l'option ciné cinématographique. Et euh, cette option-là, fait que ça, c'est ma caméra. Euh, moi, je me filme toujours avec mon background, euh, toujours dans le même style, puis ensuite, j'utilise CapCut, CapCut qui est gratuit. Donc, CapCut, ça, ça fait mon montage, je fais mon montage avec ça et je rajoute le sous-titre. On peut faire plein d'effets là-dedans aussi, mais je rajoute le sous-titrage directement dans CapCut. Donc, là, il y a plusieurs euh, options qu'on peut faire. Alors, le petit sous-titrage en bas, moi, je l'écris euh, manuellement. Donc, euh, j'écris manuellement le sous-titrage, Je trouve ça important de repasser là-dessus pour que ça soit bien écrit. Une fois que ça s'est fait, ben j'enregistre la vidéo. Puis, qu'est-ce qui est fun avec Capcom? ça garde la vidéo. Donc, le fait de fonctionner comme ça, ça le garde de côté. Alors, je peux réutiliser cette vidéo-là sur YouTube, sur d'autres, euh, sans qu'il y ait le logo de TikTok à côté. Fait que je leur publie plus tard euh, sur Instagram, si on peut dire. Euh... Donc, Donc euh, moi, dans le fond, je vais sur CapCut. C'est bel et bien et... le logiciel qu'on voit à l'écran, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. OK, parfait. CapCut. Donc, euh, dans le fond, j'utilise ça. Je fais mon, mon montage là-dedans. Et une fois sur TikTok, euh, je rajoute euh, les, petites, euh, les petites écritures en blanc et euh, des précisions en blanc. Puis, je rajoute un titre euh, aussi directement dans TikTok avec le son dans TikTok pour utiliser euh, les tendances de TikTok et tout ça. Fait que, dans le fond, c'est comme si j'aime la façon que je fonctionne parce que ça me permet de réutiliser. C'est pas. Il y en a qui vont faire leur vidéo directement dans TikTok. Euh, mais moi, j'aime la faire externe pour pouvoir la sauvegarder et puis la, la mettre ailleurs et tout ça. Euh, il existe un autre logiciel que lui, est payant, mais euh, que je pense acheter bientôt. C'est Mojo. Mojo, il y a une fonction de sous-titrage très dynamique, mot par mot. Euh, que je trouve très intéressante, mais qui demande peut-être un petit peu plus de gossage, donc Capcot. Donc, je vais voir encore, mais euh, c'est payant. Donc, c'est l'utilisation que je vais euh, en faire sûrement bientôt. Je vais commencer à utiliser Mojo. Oui, puis je l'affiche euh, aussi à l'écran, en tout cas si je suis au bon endroit. <laughs> c'est donc... encore plus dynamique. Donc, euh, ouais. puis il y a plusieurs formats, les formats sont déjà préformatés. Euh, visuellement, c'est très intéressant. Donc... Euh... C'est un montant par mois, si je comprends bien. Comment? C'est un montant par mois. ouais c'est ça. C'est un abonnement. Fait, euh, Capcom, moi, au début, je voulais... Moi, avant d'acheter le Shell, avant de savoir C'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça que j'aime ça utiliser des outils gratuits, prendre le temps de développer mon style, de prendre le temps de m'équiper tranquillement, d'évoluer au lieu de tout vouloir. Je pense que c'est ça qui freine les gens, de tout vouloir tout de suite, d'acheter un mauvais micro. Moi, j'ai commencé sans micro. Là, je pense que mon son est boppé. Je ne sais pas comment me servir mon micro Yeti, mais il est nouveau. Mais je m'améliore, je m'équipe tranquillement. Je ne suis pas une pro comme toi mais le faut commencer à quelque part en même temps puis euh, je pense à une personne elle euh, euh, sa, sa ligne historiale c'est le rire hein. et euh, celle-là elle faut d'abonner peut-être qu'elle m'écoute mais je sais qu'elle écoute tes, tes, ton contenu. mais elle elle a vraiment You got du rire quelque chose comme ça puis elle est vraiment une belle chaîne puis c'est ça c'est sa ligne historique, c'est sa façon qu'elle exploite, puis c'est pas une personne qui... En fait, elle est sûrement plus vieille que moi, mais elle est très, elle est très appréciée par sa communauté. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de variétés avec TikTok. Mais justement, parlant d'âge, <laughs> on a une question de Sandrine Journet, que je vais afficher à l'écran, qui dit... Grande question, je ne pense pas... Bon, il manque peut-être des mots, mais, mais quel ton adopter quand on est vieux? Moi, mon, mon, moi j'ai l'impression que la réponse, ça risque d'être adopte ton propre ton. Adopte propre <laughs> ton propre ton. Sois toi-même. Qu'est-ce que euh... tu aurais à dire là-dessus, Kim? Euh, mais moi, au début, je savais pas. Par exemple, quand on parle de ton, moi, je pense beaucoup à vous, à tu. Euh, C'est sûr que la clientèle, à la base, une grande partie de la clientèle sur TikTok va être plus jeune. Euh, mais elle de tout âge. Sérieusement, j'en ai. Je pense à une fille, à Limolou, qui fait du ACMR, une mamie. Donc, il y en a des mamies, il y a des gens qui, tu ils ont rien à faire. Je veux dire, pas rien à faire, mais, tu sais, ils sont tout seuls. Puis, c'est une façon pour eux d'entrer en contact avec une communauté parce qu'on peut faire des lives, on peut échanger avec les gens. On parle de François Lambert qui est là-dessus aussi puis qui qui fait en live c'est euh, c'est, Il emboîte les, ses produits puis il empaque ses produits puis il parle à sa communauté en même temps. Puis il fait les, les commandes en même temps. Il n'y a pas de... D'âge, c'est dans ton ton, c'est dans ta ligne historique, Tu peux encore plus te démarquer si tu as un certain âge parce que justement, euh, tu sors de, de l'ordinaire. Donc il euh, n'y a pas vraiment d'âge. Je pense que tu, tout est une question de, de contenu. Qu'est-ce que tu as à dire? Puis moi, personnellement, je trouve ça encore plus intéressant d'écouter quelqu'un qui... Qui est beaucoup plus, plus expérimenté dans son travail qu'un jeune de, 3, de de 20, de, j'allais dire ans, de 20 ans qui me donne des conseils sur l'entrepreneuriat. Donc oui, moi, il en faut des gens plus expérimentés sur TikTok parce que justement, les jeunes peuvent s'inspirer de ces personnes-là. Ben oui, ben oui, effectivement. Euh, je vais en profiter pour saluer un peu les gens qui, qui nous écoutent. Euh, ben, Geneviève. De... Oups, on a perdu Kim. <laughs> on va, avoir, elle va sûrement essayer de se reconnecter. Je sais pas si elle a eu une panne d'électricité ou quoi que ce soit, mais justement, j'en je, profite un peu pour, pour saluer les gens qui nous écoutent Geneviève, Irène, Catherine, Lynn. Euh, Lynn, tu as des questions, puis aussitôt que Kim se reconnecte, et la voilà, on a récupéré, on a récupéré Kim. Salut Kim. J'ai eu peur, j'ai quand même des commentaires, ça a comme disparu. Ok, ben écoute, l'important c'est que tu te sois reconnecté et juste, euh, juste au bon moment parce que. Lynn a une question. Ah oui, puis, puis juste avant d'y répondre, je voulais vous dire aussi. Si les, les, si je, hey, justement, parlant de ton, je veux switcher au-dessus, puis j'ai de la difficulté. J'ai tellement le vouvoiement euh, qui, qui sort, qui est toujours sur le bout de la langue. Mais si tu as des questions pour Kim, pose-les soit sur Facebook ou LinkedIn, puis on va s'assurer d'y répondre avant la fin du show. Donc, Lynn qui justement demande. Combien de temps une vidéo du TikTok? Fait c'est quoi la, une bonne durée pour une vidéo de TikTok? Qui, euh, qui... Premièrement, les durées de TikTok peuvent aller jusqu'à 10 minutes. Ils ont augmenté jusqu'à 10 minutes. Alors là, il y a des formats jusqu'à 10 minutes. Euh, tant qu'on parle d'une danse, quand qu on parle de poursuivre une tendance, on parle environ de 7 secondes. Euh, donc de 7 secondes pour euh, suivre une tendance. Si, comme là, ma dernière vidéo, c'est carrément ça que j'ai fait. J'ai pris un son, puis je fais juste du... Je parle pas, en fait, je fais juste imiter le son, si on peut dire. Et euh, ça ça dure environ 6-7 secondes. Ça, c'est un peu plus les tendances, si on peut, si on peut dire. Et euh, pour quest ce qui est quand tu un contenu pertinent, ben moi, je, ça dure environ 1 minute 50 à 1 minute pour dire un petit conseil. C'est ça le challenge, c'est de, d'exprimer qu ce qu'on a à dire en peu de temps. Euh, c'est rare que j'ai fait personnellement une vidéo de 10 minutes, mais si j'ai ai à le faire, c'est parce que j'ai... J'ai besoin de m'exprimer. Alors, sur un sujet. Donc, un moment donné, il y avait un jeune qui euh, commençait à crier après tous les entrepreneurs, puis était vraiment agressif dans sa, dans sa façon de parler. Puis, là, les entrepreneurs ont commencé à, à lui dire en vidéo euh, calme-toi un peu, tu sais, 20 ans, tu viens de commencer, arrête de prétendre que tu connais tout. Puis, là, on dirait que t'es plus fort que moi. fallait que je m'exprime, moi, là-dessus. Fait que là, c'était une vidéo environ de 2-3 minutes mais euh, donc quand tout est dans le message en fait donc quand j'ai si ça prend 10 minutes puis que je suis pertinente puis que je dis qu'est-ce que j'ai à dire tu sais ça prendra 10 minutes s'il faut euh, mais là, généralement moi j'essaie que mes vidéos durent moins d'une minute donc euh, c'est un quand même un défi moi je me suis donné d'essayer de donner des conseils en moins d'une minute parce que le monde sont sont là pour se divertir aussi. Donc, euh, je ne veux pas qu'ils passent trop de temps, mais si veulent, s'ils ont des questions pour moi, ça va me faire plaisir de prendre plus de temps pour leur répondre. Mmh. Fait que ça, ça ressemble, tu sais, je te parle, Mathieu, mais au fond, ça ressemble à tous les réseaux sociaux. À la base, à la... Ouais. À la base est la même. Oui, ben en fait, c'est drôle parce que tu donnes exactement la réponse que je donne quand on me pose cette question-là. Une vidéo devrait durer le temps qu'elle devrait durer. Exact. En étant concis en prenant le temps de développer l'idée. C'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on commence, on, on commence à se répéter ou à ajouter des informations inutiles. Euh, des fois, on va se répéter en reformulant avec d'autres mots, d'autres façons de, de faire. pour appuyer On fait tout ça pour appuyer un peu notre argument. Puis on s'en rend pas compte parce qu'on fait ça dans la vie de tous les jours. Fait que quand ta vidéo, elle aurait dû durer une minute et demie, mais que tu l'as étirée à 4, 5, 6 minutes, ben c'est trois quatre minutes de trop faut, faut pas, Finalement, il ne faut pas étendre la, la, la durée de la visite pour rester pertinent puis voilà puis si ça prend huit minutes expliquer un sujet ça prend huit minutes c'est ça la bonne durée comme tous les réseaux sociaux tu vas voir aussi des gens qui vont euh, utiliser des formules précises donc euh, on parle tantôt tu parlais au début des trois premières secondes qui sont euh, hyper importantes donc c'est sûr que ça va capter l'attention il y en a qui sont bons pour capter l'attention moi, ce pas mon approche. Euh, tu sais, quand on parle de ton d'approche, je ne commencerai pas à dire... <laughs> tu sais, je ne commencerai pas à faire ça. C'est pas, <laughs> pas moi, là. C'est pas moi. Je ne suis pas de même. Je ne suis pas quelqu'un qui veut nécessairement attirer de l'attention. Je préfère être pertinente. Je préfère euh, dire ce que j'ai à dire. Donc, euh, ce que j'aime, en fait, le fait de ne pas pouvoir enregistrer mes vidéos directement sur euh, TikTok, c'est parce que je peux les éditer, puis me réécouter, puis me dire au final, ben, je fais juste me répéter à certains endroits, tu sais. Mais il y a plein de... Comme tous les réseaux sociaux, tout le monde va vous dire euh, des conseils pratico-pratiques, tu sais, commence par un euh, hawk, une accroche, comme sur LinkedIn, commence avec une petite phrase qui accroche. C'est vrai que ça fonctionne, mais tu sais, des fois, euh, quand c'est trop forcé, quand on passe trop de temps en train que je ne veux pas... Euh, je sais que ça pourrait m'aider, mais c'est on dirait que je veux pas euh, trop pas être moi-même aussi. Ouais, c'est sais pas ça, comment exprimer ça. Tout... On dirait que non, je suis pas une fille de marketing à la Faut base. Trouver un, un équilibre. Moi, je pense que l'important, le plus important, c'est d'être soi-même et d'être authentique. C'est plus important que le reste. Puis après ça, si tu es capable de faire rentrer des bonnes pratiques oui. dans ta spontanéité, dans ta personnalité. Là, tu as le meilleur des deux mondes. Parce que quand tu essayes de te forcer à adopter un ton, une formule, un format, parce qu'on te dit que c'est ça qu'il faut faire, ça ne marchera pas, tu n'auras pas de plaisir, euh, tu ne seras pas toi-même, donc tu ne parleras pas aux gens à qui, avec qui tu raisonnerais en temps normal. C'est tellement important de ne pas se perdre de vue. On est notre contenu, notre, notre, nous, on est le plus important. Après ça, le reste... Ça va venir au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait rajouter sur TikTok? Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Mais moi, je pense qu'il faut commencer à quelque part. Donc, euh, c'est pas grave si votre vidéo n'est pas euh, parfaite au début, si vous attendez trop longtemps. Surtout que c'est encore un réseau social. T'sais, moi, je viens de commencer il y a un an et demi environ. Alors c'est pas vrai. Euh, il y a quasiment un an que j'ai commencé. Et. Euh, Bien, au début, ça semblait plus facile, les vues. C'était plus facile d'avoir. J'ai eu des boss, j'ai eu des vidéos à 12 000 vues à 20 000 vues. J'ai eu des vidéos à, à 500. 000. Je ne me rappelle plus, mais il y a des vidéos qui ont vraiment pogné. Puis c'est des vidéos euh, surtout tendance. Ça, c'est pas mon contenu en tant que tel. Ah oh, oui, non, c'est vrai. Il y avait eu un contenu, une vidéo contenu qui était plus touchant, émotionnel. Donc, sais c'est de varier aussi là-dedans. Mais de commencer à quelque part parce que euh, les réseaux sociaux, avec les algorithmes, tout change. Alors, si vous voulez profiter de boss, il y a encore là, il y a encore de la place pour vous. Euh, donc, euh, c'est ça, j'ai vraiment eu des vidéos qui ont eu des gros boss qui m'ont permis de me faire voir un peu partout. Euh, oui, mais... ben, Justement, j'ai ouvert. Euh... Une vidéo, tu as 2000 vues, si je, si je me souviens Oui, mais j'en ai, ai, ai eu une beaucoup. J'étais dans le taux avec. Si tu descends, tu vas voir un peu. Il y en a mm. une qui a eu. Euh, On a 5000 mont... vues ici. Mais monte en haut, il y en a une qui a eu beaucoup de vues. Euh, J'étais dans le taux avec ma belle-fille. C'est rare que je fais ça. 000... Euh, euh, montre. Euh... Euh, C'est. C'est c'est c'est. Ah, là, 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 là. C'est ah ça, oui, 120... de... Ouais, est ça, 127 000. Donc... ouais est ça. Mais ça tu contrôles pas ça, tu sais, j'ai eu beaucoup de commentaires euh... puis ouais. euh... c'est parce que c'était émotionnel, puis c'était euh... un cas vécu, mais c'était rien, rien d'extraordinaire là. Mais mm -hmm. bon, c'est ça. Je tu as fait le boss. Je vois aussi que tu c'est ça, tu utilises beaucoup les t'en as parlé un peu les hashtags, les mots-clics. Euh, si j'ouvre, euh, par exemple, ta, ta plus récente, euh, tu as écrit hashtag Tendinite »,« marketing digital, marketing québec, entreprise québécoise. J'ai vu en, hashtag entrepreneuriat aussi dans d'autres de, de tes... Oui, euh, ça, tes ça, vidéos. ça permet de cibler. Puis, en ouais. fait, il y a des hashtags euh, plus pour... En euh, fait, pour toi. Donc, pour ouais. toi, les hashtags pour toi, c'est pour te mettre dans la page. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu vas l'être aussi. Là. Mais est-ce qu'il y a un euh... outil pour... Chercher par exemple les hashtags pertinents aussi c'est un peu du de l'essai-erreur. essai quand, erreur. erreur mais ouais. quand, qu on, euh, quand qu on cherche dans des hashtags, des mots-clics directement dans le moteur de recherche de, euh, de TikTok qui nous montre le nombre de vues ou le nombre d'utilisations. Mmh. Ouais, okay, okay, okay. comme, comme un peu sur euh, Instagram aussi, fait ouais. ça, on peut voir que... Il a été utilisé euh, X quoi, comme là tu peux le voir, utilisé X quoi. En ouais, j'ai entreprise euh... québécoise à l'écran, il y a 219 000 vues. Si je retourne en arrière et que j'en ouvre un autre. Mais euh, ça ne veut pas dire que je vais avoir 200 000 vues. Non, 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 c'est sûr, sûr, mais ça montre un peu. Supposons que j'ouvre euh, entrepreneuriat pour le fun, j'ai 183 millions de vues. Fait que c'est juste que c'est sûr que si t'en tombes sur un qui a, par exemple, en contraste, 40 millions de vues, ben nécessairement, il est moins utilisé. Ça montre le, le son taux d'utilisation, finalement. Small Business, 74 milliards de vues. Évidemment, c'est en anglais, fait que nécessairement, ça va être plus. Euh... Euh, quels autres Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre comme conseils avant qu'on termine, Kim? Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, à donner comme conseil? Ben là, on d'utiliser des tendances, les sont tendances, et de les approprier à votre secteur d'activité. Donc, à chaque fois qu'il y a un son tendance, ben, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'approprier à um, son domaine, son expertise, toujours en faisant le lien. Donc, les tendances vont permettre d'avoir un petit boss. Ça va permettre de, d'être moins toujours corporate, mais de rajouter un petit peu de divertissement, de varier, si on peut dire. Euh, ça me dirait de, il y en a beaucoup qui vont, euh, Faire des collaborations. Moi, je ne vais pas faire directement des collaborations avec des collaborations avec des gens, mais je vais plus commenter euh, d'autres vidéos. Ou euh, on... il appelle ça euh, l'utilisation de duo. Donc, tu peux voir dans mon feed, il y, y a certains duos où est-ce que c'est une autre personne qui parle, mais tu que moi, en fait, c'est une entrevue. Donc, si toi, si tu serais sur TikTok, par exemple, ben, je t'aurais retweeté et j'aurais fait Ah c'est moi, c'est moi. Je, je suis sur TikTok. La façon... Ah, ok, mais il m'a J'ai, Je publie des vidéos. Quand je fais des vidéos format vertical avec le drone, par exemple, euh, je les publie aussi sur TikTok. À chaque fois que j'ai une vidéo en format vertical, je la publie sur TikTok. Euh, cela étant dit, je n'ai jamais fait de vidéo où je parle. Je n'ai pas encore euh, apprivoisé la bête. Euh, je, une, on a une couple de questions qui sont apparues. Euh, je ne sais pas à quel point tu vas avoir la réponse, mais Pascal Horvat qui demande « Est-ce que le monde cherche pour vrai des sujets par mots-clics? clic? Et il rajoute, euh, personnellement, lui, il ne fait pas de recherche par mots clic ou hashtag. Euh, Est-ce que tu est -ce que as la réponse à ça? Est-ce que c'est. Euh, pour être honnête, Pascal, hein, je ne sais pas si le monde cherche vraiment par des mots clics. Je pense plus qu'ils vont s'abonner euh, aux gens qui veulent vraiment suivre, ouais. tout simplement. Euh, la personnalité de la personne, le sujet, ils vont s'abonner au compte des mmh. sujets qu'ils veulent suivre. Euh, mais personnellement, je cherche peut-être une fois à trois mois les mots-clics en tant que tel. Oui, puis les mots-clics, je pense qu'ils vont beaucoup jouer sur l'algorithme, vraisemblablement, puis sur les vidéos que les... Euh, si, par exemple, moi, je suis abonné à Quai puis je suis aussi abonné, ben, justement, à Tatiana Saint-Louis, puis euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, québécoises oui, qui sont sur, euh, sur TikTok, évidemment. fait Plus on va voir, par exemple, des mots-clics comme là, euh, si je regarde Tatiana... Entrepreneuse ambitieuse, marketing Québec revient, bon création de contenu. Fait que si par exemple marketing Québec revient régulièrement ou Québec TikTok par exemple, puis que tu es abonné à 12 personnes qui utilisent ces deux mots clics là, ben, nécessairement ça va aider TikTok à te recommander du contenu pertinent. Je suppose en tout cas si, euh, si TikTok est fait de la même manière que les autres plateformes de réseaux sociaux. Euh, on va, euh, je, il y a, a, a d'autres questions aussi. Il y a Irène qui pose la question. Qu'entends-tu en, qu oui. par tendance? C'est quoi Le une tendance, tendance TikTok? Une tendance, c'est un son tendance, en fait. C'est un son, c'est soit une chanson, c'est soit des paroles d'une chanson, un bout euh, un bout de, de, de chanson, un bout de paroles. Puis, euh, les gens se servent de ça pour... Euh, ou un bout de film, quoi, de fois quoi que ce soit mais en fait c'est des paroles puis les gens vont utiliser ça vont faire de l'éthique pour euh, dire ces paroles là mais dans le contexte de leur entreprise je sais pas si tu me suis ben en tout cas, moi, je, je, je comprends, mais on, tu, tu répondras, euh, Irène, si jamais tu veux plus de, 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 de clarté. Euh, Geneviève Carrier qui écrit euh, « La fréquence, deux, une fois à semaine, selon toi, Kim, pour ma part, j'en fais une par semaine. Um... » Attends, je vais juste finir de, de lire son, son commentaire, puis on, tu pourras répondre. « Je continue à me former, j'apprécie vraiment vos conseils. Je me prépare justement à faire une vidéo pour, euh, sur ma superbe soirée d'hier au réseau PME. Je parle toujours avec mon cœur et j'ai trouvé l'axe de mon contenu. J'adore ce canal de communication. » Donc, la fréquence Kim selon toi, ou en tout cas, toi, Kim, la fréquence que tu utilises, c'est quoi? April? Oui, euh, moi j'ai fait des tests, euh, je suis encore là, je ne suis pas professionnelle, euh, je veux dire, euh, l'algorithme change beaucoup partout. Euh, comme sur les Mais ça reste si on revient aux bases de toutes les réseaux sociaux. Quand tu ne publies pas pendant une semaine ou deux, puis que tu reviens, ben ça devient plus difficile d'avoir euh, le même... Euh... Le même la même réaction des gens quand ça fait longtemps que tu n'es pas actif. Il faut que tu, re, tu retardes le terrain, si on peut dire là. Euh, moi, j'ai des fois, j'essaie, c'est sûr que je, je suis abusé un peu, j'essaie deux, deux vidéos par jour ou une vidéo ah oui, par okay. jour. Euh, j'ai fait en faire plusieurs à l'avance. Comme là, j'en ai deux en brouillon, mais j'essaie d'en faire plusieurs à l'avance. Mais ça, c'est vraiment parce que j'aimerais aller chercher un autre histoire, être plus active et tout ça donc euh, mais c'est sûr que quand je vais arrêter pendant une semaine comme là ça fait peut-être deux trois jours j'avais rien publié là je recommence euh, fait que dans le fond je là je le vois c'est c'est plus long avant que ça décolle fait que dans le fond c'est juste une question de cohérence tu sais mm -hmm. si tu arrêtes une vidéo ou deux par semaine ben c'est bien correct garde ça euh, par vidéo euh, par semaine euh, ça peut être ça aussi là euh, mais c'est toute une question de cohérence partout sur les réseaux sociaux d'avoir une certaine routine euh, deux vidéos par jour c'est peut-être exagéré euh, mais moi j'ai laissé aller j'en avais préparé plusieurs à l'avance c'est pour ça que je l'ai fait. fait que dans le fond sinon euh, ça va être des vidéos plus spontanées donc ça va être plus facile rapide à faire puis je vais en avoir plus en backup qui vont être plus longs si on peut dire en mode brouillon sur TikTok que, euh, c'est ça. Mais je pense que c'est juste une question de rester cohérent. Parfait, excellent. Et puis on a euh, une autre question de Céline Brassard qui dit comment on fait pour savoir quels sont les sons tendances? Est-ce que c'est en passant du temps sur TikTok ou s'il y a un endroit comme pour les mots-clés? Euh, premièrement, les tendances vont beaucoup être dans, dans pour toi. Donc, euh, quand tu vas sur la page d'accueil TikTok, euh, les musiques tendances, euh, il va y avoir euh, souvent de regarder les... Euh, les vidéos sur TikTok que tu vois en première page d'accueil, ça c'est ceux qui sont mis en avant-plan. Là-dedans, il peut avoir des sons tendances qui euh, sont utilisés. Alors ça, c'est vraiment en cliquant sur la, la vidéo, tu vas avoir un son, euh, puis on va pouvoir cliquer dessus, puis euh, voir toutes les, les personnes qui utilisent. Il y a des comptes sur TikTok qui font juste parler des alertes tendances. Donc il y a un hashtag qui s'appelle alerte tendance. Et c'est des comptes TikTok qui font juste parler des nouvelles tendances, des sons à utiliser. Alors, ça peut être intéressant de suivre ces personnes-là. Il existe des applications externes que moi j'utilise qui s'appelle ça sera pas long, je vais te dire ça dans 30 secondes. J'allume mon iPhone. V viral. Donc v i d l q viral. Donc, ça va dire les sons tendances en fonction des villes, des secteurs d'activité, euh, des pays. Donc, euh, moi, j'utilise ça pour avoir un certain repère. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec TikTok, c'est d'utiliser les sons avant qu'ils deviennent tendances. Donc, de repérer des sons, puis euh, de, les, de les mettre, d'utiliser, même s'ils ont 3000 vues, ils ont 3000 utilisations mais ben, utilise-les avant qu'ils deviennent euh, 4000 parce que quand ils vont buzzer, ça va revenir. C'est ça qui est qu le fun avec TikTok, en fait, c'est que ta vidéo, non, elle est peut-être pas virale, mais elle peut le devenir plus tard parce que les gens vont euh, fouiner. Ou ça va. L'algorithme est en, en constant changement, donc ça peut apparaître du jour au lendemain, ça peut euh, avoir beaucoup plus de vues. Excellent, merci Kim. Écoute, si on avait... Euh... À résumer en, en une coupe de phrases, l'essentiel, le, ce que les gens doivent retenir à propos de TikTok, c'est quoi? Comment? Je n'ai pas compris la question. Si on, de, si on fait une conclusion, là, ce que les gens devraient retenir, l'essentiel de savoir à propos de TikTok en quelques phrases, c'est si à résumer. Moi, je te dis amuse-toi. Amuse-toi sur TikTok. D'abord et avant tout, un médium qui te permet de, de te montrer plus humain, plus... Euh, si on parle de la vidéo plus humain, soit toi-même, amuse-toi, puis essaye de trouver comment est-ce que tu peux euh, faire le lien avec ta business justement en gardant, en ayant du plaisir. Excellent. Anthony, ne <laughs> pas trop à la technique, mais d'abord et avant tout pour faire passer ton hum. message. Avoir du plaisir, je pense que c'est tellement un beau conseil de façon générale. C'est tellement pas le fun de, de se faire chier. Euh, donc, pour les gens qui voudraient connecter avec toi, bien évidemment, il y a TikTok, il euh, y a aussi LinkedIn, mais tu as aussi un site web, kimauclair.ca. Qu'est-ce qu'on retrouve, Kim, sur ton site web? Pourquoi on devrait aller voir ton site web? Oui, bien en fait, c'est vraiment juste mon expertise, mon accompagnement principal sur kimauclair.ca. Donc, on voit mon parcours, mon expérience avec les médias. Euh, on peut télécharger mon e-book. Euh, les apparitions dans les médias je n'ai pas de blog mon blog il est là mais il est pas très actif donc ça fait longtemps que je suis pas très actif vous pouvez le voir mais euh, il est pas très actif là tant que ça donc euh, je vais recommencer à écrire bientôt dessus mais mon site c'est vraiment plus une carte de visite qu'autre chose il n'y a pas beaucoup de j'ai fait beaucoup le ménage dans les dernières années donc oh. euh, on peut juste voir mon accompagnement les détails de mon accompagnement les témoignages de mes clients euh, en savoir plus sur mon parcours. Et le blog, il va être bientôt euh, réactif là. Excellent. Merci beaucoup, Kim. Donc, je répète l'adresse kimoncler.ca. Pour ma part, mathieuchevalier.com, si jamais ça vous tente d'accueillir les visiteurs de votre site Web avec un portrait vidéo qui va donner l'essentiel de votre, de votre offre de service avec empathie et bienveillance pour donner le goût. Aux gens qui visitent de votre site web de devenir clients. Donc, pour convertir les visiteurs de votre site web en clients, ça se passe sur mathieuchevalier.com. N'hésitez pas non plus à m'envoyer une demande de connexion sur LinkedIn ou encore sur TikTok. Euh, merci, merci beaucoup Kim d'avoir de, de euh, donné, donné toute cette information avec beaucoup de générosité. j'ai Déjà hâte de faire un, un autre épisode éventuellement avec toi parce que je le sais à quel point tu touches à tout. Fait que je suis persuadé qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Merci infiniment, Kim, de ta visite. Ça fait plaisir, toujours un plaisir de te parler. Merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se voit ben, jeudi prochain avec Geneviève de Champlain pour euh, Les deux vaches à lait du web et dans deux semaines pour un autre épisode de Tu veux ma vidéo banane. Merci et à la revoyure!